Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le produit Microfocus Desktop Container. Je vais vous créer une nouvelle image personnalisée qui sera poussée sur le serveur d'application. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez vous-même créer vos propres images sans passer par le repo turbo.net. Donc de quoi avons-nous besoin pour créer cette image? Je vais avoir besoin d'un exécutable, donc en l'occurrence je vais utiliser donc WinSCP en version 5.9.4 pour faire ma démo, et des commandes de turbo bien sûr pour créer mon conteneur qui va accueillir l'image, enfin l'application que je vais installer, et qui va me servir de support pour générer mon image. Donc pour qu'on soit clair, WinSCP n'est pas installé sur le poste et ne sera jamais installé sur le poste à proprement parler. Il sera uniquement installé directement dans le conteneur que je vais générer. Donc sans plus attendre, je vais donc créer ce fameux conteneur et l'exécuter. Voilà. Voilà, donc je vais mon conteneur qui va s'appeler Clean, je vais le faire monter directement dans le répertoire d'installation où se situe l'exécutable. Donc là j'ai une fenêtre qui s'affiche, qui me génère mon conteneur, et ici voilà une nouvelle fenêtre en ligne de commande a été créée, enfin a été lancée plutôt. Voilà. Voilà, donc là en fait cette fenêtre là hein, c'est une fenêtre qui enfin, c'est le conteneur tout simplement, et c'est à travers ce conteneur que je vais installer l'application du coup qu'on retrouve bien ici et que je vais sans plus tarder exécuter. Voilà, donc je vais suivre le setup d'installation de base. Voilà, l'installation a fini de s'installer dans le conteneur. Je vais maintenant la lancer pour apporter une modification et la personnaliser. Donc, toujours hein, l'application, vous voyez qu'elle n'est pas installée sur poste. Ici, je vais créer une connexion factice uniquement pour vous montrer que j'apporte une modification à l'application, et une fois que cette modification est rentrée et que je ferme cette application, pour vous montrer que cette modification sera récupérée dans l'image. Donc une fois que l'installation et que mes modifications que j'ai envie d'apporter sont terminées, je peux sortir du conteneur et fermer la fenêtre qui m'a généré le conteneur. Donc là me voici de nouveau sur mon premier invité de commande. Donc sur cet invité de commande, si je regarde ma liste des conteneurs, j'observe qu'il y a ici un conteneur qui a bien été créé. Et c'est ce conteneur là qu'il faut que je transforme en image. Donc pour transformer un conteneur en image, il faut faire ce qu'on appelle le comité, donc utiliser la commande turbo commit avec l'option commit. Donc je veux utiliser donc le conteneur clean qui contient du coup l'application que je souhaite transformer en image, et qu'il faut également que je donne un nom à mon image, voilà, et aussi une version. Voilà. Également, donc il va falloir que je donne le chemin d'où est installée l'application dans le conteneur. Donc c'est ce qu'on peut observer lors de l'installation.
Donc en fait, enfin, c'est même plus que le chemin, c'est directement donner en fait où est située l'application installée pour que mon image puisse être générée. Donc j'exécute ma commande. Voilà, donc mon conteneur est en train de générer mon image. Voilà. Et maintenant, si je vais dans ma liste d'images, j'observe bien ici l'image que j'ai générée. Je peux l'exécuter directement depuis mon répertoire local, hein, c'est-à-dire depuis, depuis mes images en local. Voilà. Ce qui permet de tester que l'application fonctionne bien, que l'image qui contient l'application fonctionne bien. Voilà. Donc là, l'application s'est lancée du coup depuis mon répertoire local d'images et on observe bien que la modification que j'avais apportée, donc ma petite personnalisation, est encore présente, enfin, elle est bien présente, donc a bien été conservée dans l'image. Voilà, donc maintenant, je vais tout de suite donc importer, pousser l'image sur mon store d'application, d'accord, via la commande Turbo Push hein, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Voilà. Donc on va attendre que l'export voilà, de mon application se termine. Ici, donc je vais aller sur ma partie serveur en ligne, hein, sur ma page d'administration. Donc vous voyez, hein, l'application n'est pas encore présente. Je vais mettre pause la vidéo et revenir avec vous quand l'application sera remontée sur mon serveur. Voilà, donc hop, me voici de retour. Donc l'application ici a bien été poussée et est bien disponible maintenant sur mon serveur. Donc je vais tout de suite, sans plus attendre, publier mon application. J'en profite pour lui rajouter une petite icône. Cette fois-ci, j'ai anticipé. Je vais l'appliquer dans deux catégories, enfin, la positionner dans deux catégories. Voilà. Voilà, donc mon application, maintenant il faut que je finalise la publication. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, donc mon application est publiée. Je vais maintenant aller sur ma partie cliente, me connecter avec un utilisateur. Comme ceci. Et ensuite, je vais aller vérifier que voilà, une SCP est bien présente sur mon store d'application dans les deux catégories que j'ai sélectionnées. Donc maintenant, je vais exécuter le stream de l'application. Voilà, donc là, l'application a été streamée depuis le serveur directement et on observe que je conserve également hein, la modification, la petite personnalisation que j'avais faite précédemment. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur cette partie-là. Je reviendrai vers vous sur une prochaine vidéo où on va fusionner deux images dans un même conteneur et en retirer une seule image. Voilà, donc ça peut être pratique, par exemple. Quand on a besoin d'avoir Java sur un navigateur, sur une vieille version d'un navigateur, etc. Donc je ferai ça avec, par exemple avec Firefox, ce qui sera un peu plus parlant pour la plupart du monde. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite.